السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم معي مجددا على قناة مون فرونسي لتعلم اللغة الفرنسية وفيديو جديد من سلسلة تدرب على لا كونجوغيزون وما زلنا في زمن الحاضر لو بريزون دو لانديكاتيف. إذا ستكون هذه الحصة عبارة عن مراجعة لما رأيناه في الحصص السابقة. التمرين الأول لو بروميي اكزرسيس relève les verbes et mets-les à l'infinitif. إذن من هذه الجمل استخرج الفعل من كل جملة وضعه في مصدره et mets-les à l'infinitif. يعني ضع الأفعال في مصادرها. La première phrase. Le malade ne sort pas. Le malade ne sort pas. المريض لا يخرج. La deuxième phrase. Il est dans son lit. Il est dans son lit. إنه في سريره. La troisième phrase. Il prend des médicaments. إنه يأخذ الدواء. Il prend des médicaments. إذن فكروا قليلا في السؤال. إذن سنمر مباشرة إلى الجواب. Je relève les verbes et je les mets à l'infinitif. إذن أستخرج الأفعال وأضعها في المصدر. Je les mets à l'infinitif. La première phrase. Le malade ne sort pas. Alors, le verbe dans cette phrase, c'est sort. Ne sort pas. إذن هنا لدينا صيغة النفي. La forme négative. Ne sort pas. Le verbe, c'est sort. Sort. إذن مصدر الفعل. Son infinitif, c'est sortir. Sortir, le verbe sortir. يخرج. Et هنا, le verbe, c'est au présent. La deuxième phrase, il est dans son lit. إنه في سريره. Il est dans son lit. Le verbe dans cette phrase, c'est être. Le verbe être. Est. Est. La troisième phrase, il prend des médicaments. Le verbe dans cette phrase, c'est prend. Alors, son infinitif, c'est prendre. Le verbe prendre. Dans le deuxième le deuxième exercice. Classe les verbes suivants. Rattib al-af'al at-taliya. Ladaina, le verbe tomber, choisir, voir, prendre, arriver, attendre, finir, parler, garantir. هنا لدينا مجموعة من الأفعال وهنا لدينا المجموعات. Le premier groupe, le deuxième groupe, le troisième groupe. سنضع كل فعل في مجموعته. إذن رأينا سابقا كيف نعرف كل فعل إلى أي مجموعة ينتمي. فكروا قليلا في التمرين. إذن سنمر إلى الإجابة. Je classe les verbes suivants. إذن أرتب الأفعال. الأفعال التي تنتمي إلى المجموعة الأولى. Le premier groupe. إذن قد عرفنا سابقا بأن جميع الأفعال التي تنتمي إلى المجموعة الأولى تنتهي بـ ER. مثال tomber, arriver, parler. Maintenant le deuxième groupe. إذن كما رأينا سابقا أن الأفعال التي تنتمي إلى المجموعة الثانية les verbes du deuxième groupe تنتهي دائما بـ-ir لكن هناك بعض الأفعال تنتمي أيضا إلى المجموعة الثالثة وتنتهي بـ-ir لكن الفرق بينهما في التصريف عند صرف الفعل نعرف من خلال النهاية لكن هذا كما قلت سابقا يأتي من كثرة التمرن والقراءة والسماع الفرنسية ستتعرف على الفعل هل هو من المجموعة الثانية أو المجموعة الثالثة. Les verbes du troisième groupe لدينا voir, prendre, attendre. سنمر إلى التمرين الثالث. Le troisième exercice mets les verbes au présent. لدينا في هذه الجمل أفعال entre parenthèses les verbes entre parenthèses سنضعها في زمن الحاضر. On va les mettre au présent. La première phrase, le train arrivait à l'heure.
Le train arrivait à l'heure. إذن القطار يصل في الوقت. La deuxième phrase, nous montons dans les voitures. يعني نحن نصعد في السيارة. Nous, le verbe monter dans les voitures. La troisième phrase, les voyageurs rangeaient leurs valises. إذن سنصرف هذه الأفعال في زمن حاضر. On va conjuguer ces verbes au présent. C'est très facile. سنمر إلى تصحيح التمرين. Je mets les verbes au présent. Alors, la première phrase, le train arrive. Le train arrive à l'heure. Alors, le verbe arriver au présent. À la troisième personne du singulier. Le train arrive. La terminaison c'est e. La deuxième phrase. Nous montons. Nous montons dans les voitures. Nahnu nasad fi sayarat. Nous montons dans les voitures. Le verbe monter au présent. À la première personne du pluriel. La terminaison c'est ons. La troisième phrase, les voyageurs rangent leurs valises. Al-musafirin yuratibuna haqa'ibahum. Les voyageurs rangent leurs valises. Alors le verbe ranger au présent. À la troisième personne du pluriel. Maintenant, on va passer au quatrième exercice, conjugue au présent. Idan li nasrif fi zaman al-hadir. Le verbe avoir. Les pronoms nous, il et on. On a le verbe être. Le verbe être. On va conjuguer le verbe être à la deuxième personne du pluriel, à la première personne du singulier et à la deuxième personne du singulier. Le verbe parler à la troisième personne du singulier, à la deuxième personne du singulier et à la première personne du singulier. تفكروا قليلا في التمرين. C'est très facile. On passe à la correction. Je conjugue au présent. Le verbe avoir. Alors, nous avons. Nous avons. Ils ont. Ils ont. On a. On a. Alors, le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Le verbe être. Le verbe être, l'adéna, vous, vous êtes, je suis, tu es. Alors, le verbe être, je suis, tu es, il est. Nous sommes, vous êtes, ils sont. Le verbe parler. Le verbe parler, le dénom, elle parle. Elle parle. Il parle. Je parle. Et dans son amour, il a tamrin al-khamis, le cinquième exercice, relève les verbes du deuxième groupe et conjugue-les à la première personne du pluriel du présent de l'indicatif. إذن من بين هذه الأفعال سنستخرج أفعال المجموعة الثانية les verbes du deuxième groupe وسنصرفها في الحاضر on va les conjuguer au présent de l'indicatif في الضمير nous à la première personne du pluriel إذن la première personne du pluriel هي nous الضمير الأول للجمع هو nous إذن فكروا قليلا في التمرين. Je relève les verbes du deuxième groupe et je les conjugue à la première personne du pluriel du présent de l'indicatif. Then, قلنا, la première personne du pluriel هي nous. من بين الأفعال التي رأينا لدينا le verbe obéir, c'est un verbe du deuxième groupe. Nous obéissons. Nous obéissons. Nous, notir. Le verbe obéir, yutir.
لدينا كذلك le verbe établir. C'est un verbe du deuxième groupe. Établir. Nous établissons. Nous établissons. Établir بمعنى ينشئ أو يقيم. Nous établissons. لدينا le verbe réfléchir. C'est un verbe du deuxième groupe. Réfléchir. Nous réfléchissons. نحن نفكر. Nous réfléchissons. سلام الآن إلى آخر تمرين. Conjugue au présent de l'indicatif. إذا سنصرف هذه الأفعال في زمن الحاضر. Au présent de l'indicatif. لدينا le verbe tenir. يمسك. Tenir. سنصرفها في je, on, vous. Le verbe venir. يأتي. Nous, elle, il. Le verbe parvenir. يعني يصل إلى. أو يحقق. Elle, tu, il. إذا نفكر قليلا في التمرين. C'est très facile. سنمر مباشرة إلى التصحيح. Je conjugue au présent de l'indicatif. Alors, le verbe tenir. Je tiens. On tient. Vous tenez. Alors, le verbe tenir. يمسك, je tiens. أنا أمسك. On tient. نحن نمسك. Vous tenez. أنتم تمسكون. Le verbe venir. يأتي. Nous venons. نحن نأتي. Nous venons. Elle vient. هي تأتي. Ils viennent. هم يأتون. Ils viennent. Le verbe parvenir. Elles parviennent. Elles parviennent. Tu parviens. Tu parviens. Il parvient. إذن إلى هنا تنتهي حصة اليوم. أتمنى أنكم قد أجبتم إجابات صحيحة على التمارين. كانت هذه مراجعة لما رأيناه في الحصص الماضية. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. لا تنسوا أن تضغطوا لايك كما العادة وتشاركوا الفيديو مع الأصدقاء. وحظ موفق للجميع.